Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous parler du cristal de roche. Donc cette pierre est bien connue pour être une pierre amplificatrice. Donc souvent moi je recommande de ne pas porter cette pierre quand on a le moral à zéro parce que bah, c'est vrai que les pierres elles ne font pas la différence entre les énergies négatives ou les énergies positives. Pour elles, elles ça existe, c'est là, point. Voilà, il n'y a pas. En plus, même pour elles, elles savent même pas ce que c'est qu'une énergie négative. L'énergie, c'est l'énergie. Voilà. Donc, souvent, c'est pour ça que le cristal de roche, moi, je conseille souvent de le porter. Alors, soit pour amplifier un bienfait d'une pierre, ou soit pour, ou soit aussi pour amplifier son bonheur et sa joie de vivre sur ce jour-là. Ça permet vraiment en fait d'ouvrir un maximum son chakra du cœur et son chakra de la joie. Voilà. Donc cette pierre aussi, elle permet bah, forcément du fait que enfin moi je vous la conseille vraiment sur ces deux-là. Donc forcément, elle réduit le stress et l'anxiété. Elle permet aussi d'avoir un esprit combattant aux différentes dépendances hein, et autres. Elle permet aussi, du fait qu'on est aussi heureux et tout ça, elle permet aussi de se concentrer beaucoup plus facilement. D'avoir une meilleure concentration en tout cas sur ce que l'on peut faire et surtout sur les émotions que l'on peut avoir à ce moment-là. Voilà. Elle permet de forcément, quand on est dans la joie, la bonne humeur et tout ça, et surtout elle permet enfin voilà, de se libérer aussi finalement. Elle permet aussi d'augmenter la confiance en soi. De soulager à partir du moment où on est bien dans sa peau quoi finalement et dans sa tête en fait elle voilà elle soulage les tensions, les maux de tête, les douleurs musculaires comme je disais tout à l'heure elle vous permet de combattre l'anxiété le stress, les différentes dépendances que vous avez, enfin voilà, c'est vraiment une pierre qui est vraiment magnifique, elle permet vraiment de pouvoir faire énormément de choses. Là, c'est vraiment, c'est ça, là, voilà, je vous ai dit ça, elle permet vraiment d'ouvrir. Moi, c'est pour moi, c'est une pierre d'ouverture et finalement aussi d'accompagnement dans cette ouverture d'esprit, cette ouverture d'émotion. Enfin, voilà, elle est vraiment, elle est juste belle, quoi. Voilà, comme pour beaucoup de pierres, hein. Je vous avoue, c'est vrai que je suis pas très, je suis pas très objective, hein, j'adore. Donc, moi, j'aime beaucoup toutes ces pierres. Hein, donc, d'ailleurs, c'est bien pour ça que je travaille avec hein, et que j'aime tant vous les présenter aussi. Donc là, je vais vous présenter les différentes formes que je peux avoir. Donc, j'ai mon format bille, enfin mon format perle, comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez beaucoup les voir. Alors, on va peut-être faire. Oh, de toute façon, après, je vous laisserai aller voir directement sur mon site. Donc, je l'ai aussi en format chips, aussi, comme ça. Voilà. Et après, sur les différentes formes de pendentifs, je l'ai en format marquise. Voilà. Je l'ai aussi en S. Voilà. Je l'ai en pointe aussi parce que elle permet la pierre et la forme permet vraiment un très très bel alignement. Voilà. Et je l'ai aussi en format dôme, comme celui-ci. Voilà. Je l'ai en dôme. Et puis je l'ai en forme de cœur. Voilà. En petit cœur comme ça. J'avoue que c'est une pierre que j'aime énormément travailler. Je l'accompagne avec. Bah, en fait, on peut l'accompagner avec quasiment toutes les pierres, puisque c'est une pierre d'amplification. Donc, on peut facilement la marier avec énormément de pierres. Moi, par exemple, le mélange que j'aime beaucoup faire avec le cristal de roche, c'est la marier avec de l'améthyste et du quartz rose. Ça permet vraiment d'avoir un comment je veux dire, un très bel
un très bel ensemble de pierres qui permet, bah, en fait, de se libérer d'énormément de choses et surtout d'avoir énormément de confiance en soi, d'amour de soi, d'estime de soi, qui permet d'apaiser vraiment tous les stress. Enfin voilà, j'aime beaucoup en fait mélanger ces trois pierres-là. D'ailleurs, vous allez retrouver, j'ai mis, comment je veux dire, sur mon site, dans la création, ce mélange-là. Je vous laisserai aller voir sur le site, donc sur Énergie Spirituelle 85. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram. J'ai oublié VK aussi, pour ceux qui aiment VK. Et puis, sur ma chaîne YouTube, où vous allez retrouver toutes les vidéos des pierres, et puis d'autres vidéos que je partage régulièrement. Après, vous pouvez aussi directement m'appeler. Voilà. Et puis, je vous donnerai tous les renseignements que vous voulez. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Ça dépendra à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.